cynorhodon, la baie de la vitamine C. Le cynorhodon est le fruit de l'églantier ou rosier sauvage. Il possède des propriétés insoupçonnées et renferme une quantité exceptionnelle de vitamine C. Bienfaits du cynorhodon. Renforce et stimule le système immunitaire. Réduit l'inflammation. Brûle graisse. Protège et améliore la beauté de la peau. Potentiellement anti-cancer. Qu'est-ce que le cynorhodon? Le cynorhodon, on trouvera également écrit, cynorhodon, est le fruit de l'églantier, aussi appelé rosier sauvage, Rosa canina, et appartenant à la famille des rosacées. C'est un arbuste commun de nos régions, présent dans toute l'Europe, en Afrique du Nord et même en Asie occidentale. Il peut atteindre 3 mètres de hauteur et présente de nombreuses épines. Mais l'églantier est surtout connu pour ses baies rouges comestibles, les cynorhodons, couramment surnommés « poils à gratter », en référence à leurs poils urticants. En botanique, les cynorhodons sont considérés comme des faux fruits, au même titre que les érelles, les canneberges et les fraises. Ainsi, ils ne proviennent pas de la fécondation du seul pistil de la fleur mais d'autres parties. D'abord orange, les cynorhodons virent au rouge en automne. Ce sont des baies charnues et ovales, d'environ 2 cm de longueur, que l'on peut récolter tout l'hiver et qui sont très appréciés des oiseaux. Les cynorhodons ont une longue histoire derrière eux. Consommés depuis la préhistoire, ils étaient transformés en jus, utilisés pour le thé, les gelées et confitures. Appréciés pour leur goût doux et naturellement sucré, ces fruits étaient aussi connus pour leurs propriétés médicinales. Ainsi, ils étaient indiqués pour prévenir et traiter le rhume, utilisés comme diurétique et pour le traitement de diverses maladies inflammatoires. Des bienfaits sur la santé qui ont ensuite été confirmés par la médecine moderne et les recherches scientifiques. Aujourd'hui, les cynorhodons sont connus pour être des fruits très riches en vitamine C, ce qui leur confère une action antioxydante et stimulante. On leur reconnaît également des propriétés anti-inflammatoires, anti-obésité et des bienfaits sur la peau. Enfin, de récentes études ont mis en évidence le potentiel du cynorhodon pour lutter contre certains cancers. Composition nutritionnelle. Acides aminés dont les 8 essentiels. Vitamines, provitamine A, B1, B2, B3, C, K, E. Minéraux et oligo-éléments, calcium, phosphore, potassium, magnésium, soufre, zinc, fer, manganèse, sodium. Sucre, saccharose, lévulose. Fibres, protéines, tanins. Actifs antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, caroténoïdes, saponines. Acides naturels, acides maliques, acides citriques, acides pectiques. Acides gras, oméga 3, oméga 6. Huiles essentielles. Confiture de cynorhodon. Cueillette de cynorhodon. Achetez du cynorhodon bio, notre choix. Je vous conseille la poudre de cynorhodon bio de la marque Aemozide. Nous recommandons, et consommons, les super aliments de Aemozide car ses fondateurs s'approvisionnent directement auprès de coopératives locales bio. Ils proposent donc des produits de très grande qualité à moindre coût, et les retours des clients sont excellents, voir les avis ici. Pensez à utiliser le code promo Darwin au moment de votre commande pour avoir 5% de réduction sur tous leurs produits, et jusqu'à 25% en achetant plusieurs fois le même produit. Les bienfaits du cynorhodon. Renforce et stimule le système immunitaire. Le cynorhodon renferme une quantité exceptionnelle de vitamine C ou acide ascorbique, entre 300 et 1300 mg pour 100 g. Ainsi, il dépasse largement les agrumes comme l'orange ou encore d'autres baies comme le cassis ou les baies de goji. Cette vitamine C se concentre essentiellement dans la pulpe du fruit. Grâce à cette composition, il est idéal pour renforcer les défenses et stimuler le système immunitaire, notamment à l'approche de l'hiver. Sa vitamine C permet de prévenir et de lutter contre les maux courants, rhumes, grippes, fatigue passagère et les infections. Elle exerce également des effets antioxydants contre les radicaux libres qui affaiblissent l'organisme. Enfin, le cynorhodon contient d'autres composants intéressants pour renforcer et stimuler le système immunitaire. Il renferme notamment des polyphénols, comme les flavonoïdes, mais aussi des caroténoïdes et des saponines. Ces substances antioxydantes sont de puissants agents protecteurs contre le développement des maladies. Cette étude de l'université Alexandru Ioan Cuza de Iași, Roumanie, réalisée sur des échantillons de fruits, montre la teneur en vitamine C du cynorhodon en fonction de l'altitude. Réduit l'inflammation. La consommation de cynorhodon est bénéfique pour réduire l'inflammation, notamment en cas d'arthrite, d'arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde.
En plus d'agir sur le processus inflammatoire, elle permet aussi d'atténuer la douleur associée et d'améliorer la santé articulaire. Comme le cacao, le cynorhodon contient des flavonoïdes et des tanins qui agissent sur l'inflammation et calment la réaction inflammatoire. Il renferme également des vitamines qui contribuent à réguler le processus et à réduire les douleurs articulaires comme la vitamine E et B3. Enfin, certains minéraux et oligoéléments, potassium, magnésium, manganèse, luttent contre l'inflammation et soutiennent la santé des articulations. Ils soulagent de nombreux symptômes comme les raideurs matinales ou la perte de mobilité au niveau des hanches, des genoux et des poignets. Cette étude de l'Université Army, Australie, menée sur des patients souffrant d'arthrite, montre l'efficacité du cynorhodon pour réduire la douleur. Cette autre étude du Centre médical universitaire de la Charité, Allemagne, menée sur des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, démontre également son efficacité dans l'amélioration des symptômes. Brûle-graisse. Le cynorhodon est aussi intéressant pour lutter contre l'obésité. Sa consommation permet de perdre du poids sainement et de diminuer le taux de graisse corporelle, notamment dans la région abdominale. D'une part, le cynorhodon agit sur le récepteur activé par les proliférateurs de peroxysome, PAR. Cette protéine est impliquée dans le métabolisme et l'adipogenèse, formation des cellules graisseuses du tissu adipeux. Il limite ainsi le stockage des graisses dans le corps. D'autre part, le cynorhodon améliore les symptômes associés à l'obésité. Il réduit, par exemple, la pression artérielle systolique et le taux de cholestérol. Il prévient également les complications courantes chez les personnes obèses comme les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Cette étude de la division recherche et développement d'Osaka, Japon, menée sur des patients pré-obèses, montre comment la consommation de cynorhodon permet de diminuer la graisse corporelle. Cette autre étude, menée par les mêmes chercheurs sur des souris, montre comment le cynorhodon inhibe l'accumulation des lipides dans le tissu adipeux. Protège et améliore la beauté de la peau. Le cynorhodon est moins connu pour ses bienfaits sur la peau. Pourtant, ils sont nombreux. Il permet notamment de prévenir le vieillissement cutané prématuré, de réduire les rides, d'améliorer l'élasticité et de maintenir le taux d'hydratation de la peau. Grâce à sa teneur élevée en vitamine C, en caroténoïdes, en polyphénol et en divers flavonoïdes, il exerce une puissante activité antioxydante. Il lutte ainsi contre les radicaux libres qui provoquent un stress oxydatif cutané et accélèrent le vieillissement. Il contient également de précieux acides gras bénéfiques pour la peau. L'acide linoléique, par exemple, apporte souplesse et élasticité. L'acide oléique, quant à lui, renforce le film hydrolipidique et aide au maintien de l'hydratation. Enfin, le cynorhodon est une excellente source de vitamines, minéraux et oligoéléments bons pour la peau, provitamine A, vitamine C et E, zinc, manganèse, magnésium. Cette étude de l'Université Maefa, Thaïlande, menée sur des sujets âgés de 35 à 65 ans, montre les bienfaits sur la peau d'une crème au cynorhodon. Potentiellement anti-cancer. De récentes études ont mis en évidence le potentiel anti-cancer du cynorhodon. En effet, il semble diminuer la prolifération des cellules cancéreuses et inhiber l'action de la protéine kinase B, AKT, qui favorise leur survie dans l'organisme. Il doit cette propriété à la vitamine C et aux polyphénols antioxydants qu'il contient. Ces derniers exercent un effet antiprolifératif sur les cellules malades et sont capables d'induire l'apoptose, mort cellulaire programmée. Le cynorhodon s'est montré particulièrement efficace sur le cancer du côlon et le cancer de sein. Cette étude de l'Université publique de Navarre, Espagne, menée sur des cellules cancéreuses, démontre les effets bénéfiques du cynorhodon sur le cancer du côlon. Cette autre étude de l'Université d'État agricole et technique de Caroline du Nord, États-Unis, menée sur des lignées cellulaires de cancer du sein, démontre une diminution significative de leur prolifération grâce au cynorhodon.